بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله bienvenue à tous. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses grâces et que la prière ainsi que les salutations d'Allah subhanahu wa ta'ala soient adressées à notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront les pas jusqu'au jour de la résurrection. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله. Comme vous le savez, aujourd'hui nous sommes le vendredi. Le vendredi, le prophète Mohammed nous a recommandé dans plusieurs hadiths de multiplier la salat sur lui, car nos salats lui sont présentés dans sa tombe. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce Coran: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallim taslima. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Allah ainsi que les anges font des prières sur le prophète Mohammed, ô vous qui avez cru, sallu alayhi, faites des prières sur lui, ainsi que des salutations. Donc ça, c'est une recommandation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala adressée aux croyants afin qu'ils puissent multiplier les prières sur le prophète Mohammed. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous le résumé du sermon que j'ai écouté à la mosquée Al-Mouahidine, Yopougon, Maroc, chez l'imam Fadiga Mohamed, qu'Allah le préserve. Le thème du sermon se rapportait à la vie dans la tombe. L'imam l'a dit que tous, c'est-à-dire tout le monde, sait qu'il vient de quelque part et qu'il va retourner d'où il est venu. C'est-à-dire, tout le monde sait qu'il va mourir et tout le monde sait qu'il sera ressuscité. Il dit, mais avant d'arriver au jour de Yom Al-Qiyama, il y a une vie qui est là, qui est la vie tombale. Et là, il nous a informé que l'homme devra répondre inévitablement à trois questions. À trois questions fondamentales qu'il a appelées al-usul thalatha, les trois principes fondamentaux. Et la première des questions se rapporte à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire, comme le prophète Mohammed s.a.w. nous a informé dans le Coran, les anges qui viendront interroger le mort de sa tombe lui poseront trois questions. La première des questions est: Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Et l'imam Ali a dit: si ça se trouve que toi, le musulman, le croyant, le musulman, tu étais loin des obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne faisais pas pour Allah, tu ne laissais pas pour Allah, quelle serait ta réponse dans la tombe, seul, isolé du monde, isolé des parents, n'ayant personne autour de toi? Quelle serait ta réponse? La deuxième des questions est: Man Nabi Yuk, qui est ton prophète? Et là, s'il savait que tu es un homme de ceux qui ne s'intéressaient même pas aux paroles prophétiques, qui ne ménageaient aucun effort pour mettre les paroles du prophète en application, qui ne prenaient pas le prophète Mohammed comme modèle, qui n'agréaient pas tout ce que le prophète Mohammed a fait, il dit alors, quelle serait ta réponse? Quelle serait ta réponse
Et ta réponse sera que tu diras tout étonné: ah ah ah, je ne sais pas. Ah ah ah, je ne sais pas. Que ton Seigneur, ah ah ah, je ne sais pas. Que ton prophète, ah ah ah, je ne sais pas. Et la troisième question, c'est: m'a dit Enoch, et là, si tu étais du nombre des personnes qui disaient toutes les religions viennent de Dieu, c'est-à-dire le même Dieu qu'on adore, il n'y a pas à faire des musulmans, chrétiens, juifs, tout cela, c'est le même Dieu qu'on adore. Et tu as agréé souvent des lois des hommes par rapport à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, quand la loi des hommes t'était présentée, tu étais d'accord avec ces lois au détriment de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'acceptais pas la religion islamique de manière publique. Quand elle est sabotée, tu ne la défendais pas. Quelle serait ta réponse? C'est ha ha ha, je ne sais pas. Donc, ces trois questions nous ont amené à réfléchir pour dire, quand tu es musulman, il faut connaître ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala nous amène au respect et à la mise en pratique de ses commandements. La suivi du prophète Mohammed nous amène à l'aimer, à le prendre comme modèle, à rendre véridique tout ce qu'il nous a donné comme information et à le suivre dans cela, dans la mesure de notre possibilité. Le fait d'adopter sa propre religion, c'est une croyance, c'est un mot de vie, et on est convaincu que cela provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'était là un peu le résumé du sermon de l'imam. Et puis, l'imam a cité quelques paroles depuis le prédécesseur. Il dit, le calife Ousmane radiallahu anhu, lorsqu'il allait au cimetière, il pleurait tellement qu'on lui demanda: oh Amir Mouminin, pourquoi est-ce que quand tu viens au cimetière, tu pleures beaucoup? Il dit, le jour de ma mort, pour résumer, le jour de ma mort, j'ai ma famille autour de moi, j'ai mes enfants autour de moi, j'ai des personnes qui m'aiment, ceux qui ne m'aiment pas, ils sont autour de moi. Ma janaza, ma prière funéraire, il y a les gens autour de moi, il y a les gens pour me transporter, pour m'envoyer au cimetière. Yom al qiyama, il y a les gens aussi autour de moi. Il dit, mais dans la tombe, je serai seul. Seul face à mes actions, face à mes œuvres. Si elles sont bonnes, falilah alhamd. Et si elles sont mauvaises, on demande à son Allah de nous protéger de cela. Il dit donc, la vie tombale est la vie de solitude. Et la vie de la solitude, c'est la vie qui fait ma pensée. Tu as fait 40 ans, 50 ans entouré d'hommes et tu as passé des années tout seul de la tombe. Si tu es bien, tu fais partie des bienheureux, alhamdulillah, ça sera délice et grâce pour toi. Mais si tu fais partie de ceux qui n'ont pas pu répondre aux trois questions, ça sera châtiment, sur châtiment. Et quand la personne verra, quand tu verras la place qu'Allah subhanahu wa ta'ala te réserve, le mal qu'Yama dans l'enfer, tu vas préférer rester dans le châtiment tombal que d'arriver devant Allah subhanahu wa ta'ala et d'aller de ta destination finale. Oui. Et pour finir, donc, l'imam a dit beaucoup de choses et nous a vraiment motivés à travers ces quelques minutes de sermon, et vraiment ça a été profitable face à Allah subhanahu wa ta'ala, que nous puissions être des personnes qui ont œuvré avec ces trois questions-là, qui ont appliqué ces trois questions, ces trois questions qui seront posées dans la vie,
Et le nom des personnes à qui Allah subhanahu wa ta'ala va faciliter la réponse. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde une bonne fin et que ce rappel là soit profitable. Et ce rappel est dans le cadre d'un programme que nous avons décidé de mettre à la disposition des frères et sœurs afin de partager avec eux les différents sermons auxquels nous assistons, Inch'Allah, face à Allah subhanahu wa ta'ala, cela une œuvre bénéfique et qu'il nous pardonne nos manquements et nos erreurs. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك صل سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.